Eh bien, bonsoir et bienvenue au Centre Pompidou. Je crois que nous pouvons dire que nous, nous commençons magnifiquement cette, cette nouvelle année 2013 en accueillant ce soir un grand photographe pour le cycle La Création à l'œuvre qui est organisé par la Bibliothèque Publique d'Information, Sébastiao Salgado. Donc, sebastião Salgado, dont la voix est, selon Solman Rushdie, l'une des plus puissantes de la photographie contemporaine. Ses photographies, toujours en noir et blanc, vous les connaissez, elles ont fait le tour du monde, elles ont été primées, exposées. Leur force de conviction trouve sa force dans leur exceptionnelle puissance plastique. Beaucoup sont inscrites dans la mémoire visuelle collective et sont devenues des symboles, des manifestes. Nourrie à la fois des émotions de son enfance brésilienne et de sa formation initiale d'économiste, le travail de Sebastião Salgado s'appuie toujours sur des reportages au long cours, couvrant des zones géographiques très étendues la relation de l'homme avec son milieu, avec son territoire, y étant fondamentale. Dans ses reportages, de ces reportages de fond, Sébastiao Salgado ramène de vastes fresques photographiques qui nous livrent un état du monde, nous font prendre conscience du sort des hommes qui vivent, travaillent, se déplacent dans des conditions souvent cruelles, subissant l'évolution brutale du monde industriel, la dégradation de leur environnement, les tragédies liées à la guerre. Ou au ravage de la sécheresse. C'est ainsi que pour la main de l'homme consacrée à l'activité humaine mondiale dans les principaux secteurs économiques, il a mené une enquête durant six ans, de 1986 à 1992, dans 26 pays choisis sur les cinq continents, décrivant un monde industriel ancien, déjà conscient de sa propre disparition, et rendant hommage au monde des travailleurs et à leur dignité. Pour Exode, il a entrepris de 1994 à 2000 un travail sur les vastes mouvements de population dans le monde provoqués par les conflits politiques ou les problèmes économiques et a suivi les fugitifs déracinés, errants ou parqués dans des camps, les travailleurs immigrés en Europe, leur, margin leur marginalisation. En 2004, Sébastien Salgado entreprend un nouveau projet à long terme, Genesis, visant à rechercher la nature dans son état originel à travers des photographies de paysages, de faunes, de flore et de communautés humaines. C'est une œuvre monumentale étalée sur huit ans qu'il vient d'achever et qui nous propose un retour à la conscience de nos origines et au respect de la nature. Il va ce soir, et c'est un événement, nous en montrer des images avant qu'elles ne soient publiées et exposées dans le courant de l'année 2013. Il est grand temps que je lui donne la parole ainsi qu'à Alain Jeunestard qui va conduire cet entretien. Alain Jeunestard est journaliste et écrivain. Il a été le directeur du journal du dimanche pendant 12 ans, puis de Paris Match pendant 7 ans jusqu'en décembre 2007. Paris Match où il a eu l'occasion de publier des photographies de Sebastiano Salgado. Il dirige maintenant Polka Magazine qu'il a créé il y a 5 ans avec la galerie de photos Polka Images. J'ajoute qu'il a publié deux romans aux éditions Grasset, dont le dernier intitulé Expulsion qui est paru en 2008. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir. Je vais commencer par quelques mots de présentation avant de donner la, la parole à Sébastien Haut. Et après, nous allons regarder des photos. Un film magnifique. Vous allez voir des photos pour certaines en exclusivité. Si vous ne... Si vous ne lisez pas euh, régulièrement Paris Match ou en Angleterre, le Guardian en Espagne, c'est Avant-Guardia, je crois. Le Guardian, Espagne Avant-Guardia, en Italie, Repubblica, voilà. etc. Je vais vous dire, pour, pour ma part, c'est un, un plaisir d'être à côté de Sébastiao. C'est un honneur, mais c'est aussi impressionnant. C'est un plaisir parce qu'on aime, on aime toujours se rencontrer. Donc là, on est côte à côte. Donc, on se rend compte dans, dans un cadre particulier, puisque nous allons engager une conversation face à vous, avec la possibilité à, à la fin de, de, de l'entretien que vous puissiez poser des questions. Euh, C'est un honneur parce que cela vient d'être rappelé. Sébastiao est, est l'un des plus grands photographes du monde, et ses photos sont connues dans le monde entier. C'est l'un des des personnages de la photographie dont la notoriété dépasse très largement le, le cercle du, du monde de, de la photo. Et c'est impressionnant parce que interroger un ami, c'est toujours un exercice un peu particulier. Cela revient à poser des questions dont on connaît en gros les réponses. Euh, mais surtout, on se met dans une situation euh, un peu compliquée pour, pour un journaliste. Où on doit normalement avoir une certaine distance. Là, nous n'en avons aucune. Donc, je crois que les, notre entretien sera davantage une conversation, mais j'aurai quand même des, des questions à poser. Euh, quand on m'a demandé d'animer de, de, auprès de Sébastien cette conférence, j'ai dit oui, et il fallait euh, faire un, un, un petit texte. Un petit texte qui avait déjà été préparé par euh, Francine Figuère. Et dans ce texte, on expliquait le, le but de, de, de notre entretien, c'est donc que euh, Sébastiao nous, nous éclaire sur les sources et les processus de sa, de sa création et le sens qu'il donne à son travail. Donc c'est un cadre précis. Moi j'ai rajouté juste une phrase à cette présentation, c'est de dire que le, le sujet de Salgado, c'est ce qui l'intéresse au plus profond de lui-même depuis toujours. Et le sujet, c'est la vie. Et pendant 40 ans, depuis 40 ans, et ce n'est pas fini, il a photographié la vie sous toutes ses formes. Tout ce qui est vivant sur Terre l'intéresse. Les êtres humains, bien sûr. On vous avez vu à travers des, des séries dont on vient de parler Workers, Exode, Terra. Les animaux. La nature. Cette nature qu'il aime et qui est en danger et qu'il photographie. Et c'est vraiment un. Une œuvre, je crois qu'on peut dire une œuvre plus qu'un qu long reportage, c'est une œuvre qui a pour sujet la vie et pour cadre le monde. Euh, il n'a pas de territoire, il a un territoire. Ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui se passe sur la planète. Et donc son territoire est très vaste et il dresse, il a dressé, il continue de dresser une sorte de constat d'état des lieux. Et les lieux, pour lui, c'est partout. Alors, sa vie, il vient d'être rappelé très vite, mais pour, euh, pour donner du, du sens à notre conversation, pour bon, vous dire qu'il est né en 1944, euh, au Brésil, bien sûr, dans le Minas Gerais. Tu es né, je n'arrive pas à vous voyez, donc on va commencer, on va dire tu, ça va être plus simple. Hein? Donc, tu, tu es né dans une fazenda. Donc une vaste exploitation agricole de 9 km de long. Donc l'espace, euh, eh pour lui, euh, il, sait, il sait ce que ça veut dire. Et il sait ce que ça veut dire de, se, de marcher avec son père dans cette exploitation. Son père est éleveur de bétail. Et c'est donc au Brésil. Et le Brésil, c'est plus qu'un pays. Il utilise lui-même cette expression. C'est au-delà de l'État-nation. C'est un univers. Et c'est un univers où vivent des gens de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les religions. Et en plus, dans cette exploitation agricole, euh, le petit Sébastiao vit au milieu d'autres familles. Il y a en tout, je crois, 35 familles qui vivent sur cette ferme. Donc il a une idée très forte, et c'est important pour la suite, de la communauté. C'est aussi un militant, un militant pour la liberté, qui se bat dans un pays qui, à l'époque, n'est pas ouvert à la, à la liberté. Donc il est militant, il est militant à gauche, même très à gauche, communiste. Et il a le choix entre la clandestinité ou l'exil, ce qu'il finit par choisir, où il passe 11 années en France avant de pouvoir retourner dans son pays. Entre-temps, il a fait des, des études brillantes d'économie, et il termine après l'université de Sao Paulo, après l'université aux États-Unis, il termine comme docteur, docteur en économie diplômé de l'université de Paris. Et là, il intègre une grande société, l'International Coffee Organization en 1971. Et en 1973, et c'est là que commence l'histoire du photographe, en 1973, il est avec un personnage essentiel dans sa vie, sa femme, Lélia, en Afrique, et il doit illustrer un rapport sur le café. Et pour illustrer ce rapport, il utilise l'appareil photo de Lélia, et il se passionne pour la photographie. Il se rend compte que l'écriture photographique il peut aller beaucoup plus loin que les mots, le poids des mots, le choc des photos. Il choisit les photos. Et ce sera ma première question tout à l'heure, après le film, il nous expliquera comment est né ce déclic. Étant photographe, eh bien, il intègre les plus grandes agences, il commence par Sigma, Gamma, puis Magnum, l'Académie Magnum. Et à Magnum, d'ailleurs, il se fait connaître pour, pour tous ses travaux de reporter. Il est photojournaliste, mais toujours préoccupé par des grands récits. Mais il réalise, réalise un scoop que moi je me souviens avoir publié à l'époque dans mon journal qui était L'éco-républicain, en première page. C'est le 30 mars 1981, c'est l'attentat manqué contre Ronald Reagan. Et O est là, sur le trottoir, en face. Et il, photo, il photographie la scène. Et il est le seul à avoir cette image extraordinaire des gardes du corps autour de Ronald Reagan qui est à terre. Donc un grand photojournaliste. Un photojournaliste qui. Qui sait aller vers l'actualité et saisir l'actualité. Mais ce qui l'intéresse, et vous verrez en l'écoutant, parce que c'est un merveilleux conteur, ce qui l'intéresse, c'est les sujets longs. C'est de raconter des histoires en profondeur. C'est d'avoir un début, jamais une fin, parce que ça ne s'arrête pas. Mais c'est de passer du temps, des années, pour, sur, sur un sujet. L'essentiel de son sujet étant la vie. Donc c'est tout ce qu'on a cité sur. Ce qui, qui donne lieu à des ouvrages fantastiques, Autre euh, Amérique, Sahel, L'homme en détresse, Workers, Terra et Exode. Et maintenant, ce, ce, ce grand projet qui, qui se termine et dont nous allons voir des images et dont tu vas nous parler, qui est Genesis. Je dois dire qu'entre-temps, Sebastiao et Leila ont créé une société, sans doute pour être plus libre, pour ne pas être dans le carcan d'une agence, c'est Amazonas Images, et qu'ils ont créé une fondation qui est l'Institut Terra, qui se propose, et au-delà de se propose, qui réalise une vaste replantation de la forêt côtière au Brésil. Et je crois que vous approchez les 2 millions d'arbres plantés. Alors, Genesis, moi j'en ai un souvenir merveilleux, parce que j'étais directeur de Paris Match à l'époque, depuis 3-4 ans. Euh, J'avais le, le grand plaisir de publier des. des des reportages de Sébastien mais c'était des reportages qui avaient été initiés par mon prédécesseur, Roger Terron. Et donc, je continuais le, 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 ce, ce, ce travail d'editing qui était formidable. Mais j'étais passionné, bien sûr, par, par le personnage que je rencontrais et nous, nous parlions ensemble. Je n'avais pas encore eu l'occasion de faire quelque chose vraiment avec lui, c'est-à-dire de démarrer un projet. On l'a fait juste ici, si une fois, juste sur une photo. Une image, mais qui a fait la couverture de, de match. Euh, C'était la présidentielle de 2002, vous vous en souvenez, euh, Le Pen était au deuxième tour. Et j'ai pensé que mon journal, qui affichait une neutralité politique, devait cette fois s'engager. Et entre les deux tours, j'ai demandé à, à tous les grands photographes de la planète de réaliser une photo anti-haine, anti-extrême droite. Ils ont tous accepté de Cartier-Bresson à, à William Klein. Et Sebastiao a choisi de couvrir une manifestation, et dans cette manifestation, il a découvert une Marianne, une jolie femme engagée, euh, en colère, mais magnifique, et qui a fait la couverture de match. Mais je n'avais jamais initié de grand projet. Et il est venu me voir en 2003, avec un projet qui s'appelait Genesis. Et il m'en a parlé, il était avec Leïla, c'était un entretien très long, parce que moi j'étais passionné par le, le sujet. Euh, mais c'était... C'était compliqué d'un point de vue, c'est important quand même d'en parler, d'un point de vue de budget. Parce que c'était un engagement qui devait durer 8 ans. C'est pas rien, 8 ans, quand on fait un magazine toutes les semaines. Et qui avait comme projet de photographier la Terre. De photographier tout ce qui sur Terre était aujourd'hui intact, pur, menacé, mais toujours, toujours vivant. Et ça impliquait de parcourir euh, bien, tous les continents. Euh, et quand Sébastien se déplace, euh, c'est pas rien. Et surtout quand il va dans un endroit, il ne reste pas trois jours, il reste une semaine, quinze jours. S'il faut faire euh, des centaines de kilomètres à pied, il le fait. Donc ça nécessite du temps et ça nécessite de l'argent. Donc à l'issue de notre, euh, notre discussion, j'ai demandé une semaine de réflexion. Et après cette semaine de réflexion, euh, j'ai dit oui. J'ai dit oui et j'ai eu le, le bonheur de publier pendant les deux années qui me restaient à Paris Match euh, les tout premiers sujets et de regarder après cette fois d'un peu plus loin mais toujours proche de vous de regarder les sujets publiés dans Paris Match et c'était vraiment euh, de savoir que dans ma vie euh, d'éditeur de journalisme et de directeur de, de, de magazine j'ai pu participer à, à la genèse de Génégis, c'est pour moi une très, très grande fierté. Alors, je vous en ai parlé un petit peu. Sébastien va vous en parler beaucoup pendant l'heure et demie que nous allons passer ensemble. Nous allons voir des images, je crois, pendant une vingtaine de minutes. Mais avant, il va vous parler de son projet, cette fois avec ses mots. J'ai une manière de, de travailler qui, quelquefois, comme Alain vient de dire, les gens m'ont classé comme militant, n'est-ce pas? Et en réalité, les photos que j'ai faites, c'est des photos de ma vie. Et pendant toutes ces années que j'ai rentré en photographie, j'ai voulu. J'étais très curieux d'aller voir. Une curiosité énorme. Je viens d'un pays énorme, un pays qui c'est vraiment un continent. J'ai sept sœurs et mes sœurs, plus vieilles que moi, sont mariées, sont parties. Et quand j'étais tout petit, mon père me laissait aller visiter mes sœurs. Mais quelquefois, c'était voyager deux jours, trois jours pour arriver à une sœur qui était quelquefois aussi loin que d'ici à Moscou, d'ici à Lisbonne, n'est-ce pas, dans ces pays énormes. Les, les moyens de transport n'étaient pas si évolué qu'aujourd'hui et je pouvais faire des voyages incroyables donc j'ai appris à voyager le concept de distance pour moi c'était tout à fait normal et quand j'ai commencé la photo pour moi d'aller en Afrique d'aller en Asie, d'aller en Amérique Latine Amérique du Nord c'était pas trop loin, pas trop différent de ce que je, que je faisais dans toute ma vie et et donc cette espèce de liaison avec euh, L'espace avec la planète et cette curiosité par exemple du Brésil un pays très au sud où on écoutait parler des choses fantastiques on avait un rêve énorme d'aller voir. Je rappelle que je suis né à l'intérieur dans ce même endroit où on a ce projet environnemental aujourd'hui je suis né dans une dans un paradis je peux dire un paradis parce que la moitié de la ferme de mes parents était couverte de forêts. Des forêts vraiment primaires, tropicales, avec plein d'animaux, des ruisseaux, avec nos caïmans, nos petits crocodiles. Et, et on avait une liberté énorme. Mais à cette époque, on n'avait pas de route. On avait un train qui passait. Et quand à la saison de pluie, ça tombait des barrières, les trains restaient un mois sans venir. On était isolés. C'était à la radio. Donc on avait un rêve énorme d'aller voir plus loin et cette ferme située sur des collines c'était une région très vallonnée et j'allais à pied ou à cheval en haut de ces collines et j'ai regardé au loin j'avais un envie fou d'aller plus loin j'écoutais la radio on rêvait d'aller plus loin et quand j'avais 15 ans j'ai dicté ma ville pour, pour faire la deuxième partie de l'école secondaire j'ai venu à Vitoria, la ville où j'ai rencontré Lelia et ma femme et à Victoria il y avait un port, il y en a un port aujourd'hui c'est d'ailleurs le plus grand port mondial d'exportation de minéraux de fer parce qu'on a des énormes gisements de minéraux de fer dans ma province et qui sortent par ces ports et je faisais mes études de secondaire pendant la CBN et samedi après midi il n'y avait pas de classe je venais, je me mettais au port pour voir les mouvements des bateaux, et voir ces drapeaux, et voir ces étrangers qui étaient dans le bateau. Ils étaient très différents de nous, ils étaient très blancs. Il y avait des, des Asiatiques, les habits très différents. Et quand on voyait ces bateaux partir, j'avais envie fou de partir aussi, d'aller voir plus loin, de connaître. On écoutait parler de l'Afrique, parce qu'il y a une grande composition des, des Brésiliens, n'est-ce pas nous on a une misture énorme et dans cette misture il avait une grande composition africaine l'Afrique en face, de l'autre côté tout ce qu'on écoutait de l'Afrique quelle envie que j'avais d'aller en Afrique et l'Amérique latine on écoutait parler des armées des paysans en Bolivie, armées des armées des miniers et tous les Indes, des Mexique écoute, c'était pour moi un rêve d'y aller et quand on est venu en Europe avec les liens on a dû venir un tout petit peu vite parce qu'on s'est mis dans des mouvements de gauche très radicaux au Brésil. Et en 69, c'était question où on rentre en clandestinité au Brésil avec les mouvements armés, où on quitte. Comme on était très jeunes, moi j'avais 24 ans, l'ALIA avait 20 ans à cette époque, donc réunion dans les mouvements, les décisions étaient prises, nous on devait partir. On était trop jeunes pour se mettre en clandestinité au Brésil, on est venu en France... Mais quand on est arrivé à Paris, sincèrement, j'ai eu aucune surprise. Aucune. Je connaissais Paris comme la ligne de même. Ma Parce que j'ai travaillé à l'Alliance française, à Victoria, et j'avais la carte de Paris sur ma table. J'étudiais toutes les rues, absolument toutes les rues. Je connaissais tout de Paris. Et avec l'Alliance, on arrive ici très très jeune. En France, la France pour nous. On connaissait la France. Parce que là, beaucoup plus que vous imaginez, l'influence de la culture française sur le Brésil, c'était peut-être la plus grande dans les temps plus modernes. Tout les 20e siècle, presque tous les intellectuels brésiliens, ils sont venus en France. Nous, quand on commençait à apprendre les langues, on apprenait le français. Bien avant que l'anglais, on était obligé de faire sept ans de français. Et tous les classiques françaises, on les a appris à l'école secondaire. On les connaissait comme vous, la Marseillaise. J'étais très honteux pour les joueurs de foot français à la Coupe de 98, parce que je n'avais pas chanté la Marseillaise, pendant que nous, on savait au Brésil. Et donc, cette curiosité, ces choses, cette ouverture du monde qui était donnée à nous dans un petit pays à la fin, un énorme pays territorialement, mais très isolé culturellement, géographiquement, ça nous a permis peut-être d'avoir cette certaine ouverture du monde. Et quand j'ai commencé à faire mes photos, je suis allé vers ces voyages que j'avais de faire, avec cette curiosité du monde. Et à la fin, mes photos, c'est un peu l'histoire de ma vie. Tout ce que j'ai voulu montrer. Tout ce c'est pour moi, ça m'a donné une énorme rage qu'il fallait le faire, il fallait le montrer. Je suis allé, je voulais le faire. Et tout ce que j'ai trouvé très beau de le faire, je voulais le faire. N'est-ce pas? À la fin, les gens disaient, ah, mais tu montres des photos très dures, mais ce n'est pas des du tout dur. Les photos du monde d'où je suis venu. J'ai photographié le monde d'où je suis sorti. tous les, les luttes intestinales, mon, votre pays a pris 400 ans pour vous baliser. Les miens, quand j'étais jeune, quand j'arrivais à Victoria avec 15 ans, le Brésil avait encore 92% de population rurale. Aujourd'hui, on est à 92% de population urbaine. En 40 ans, on a fait la révolution que vous avez mis 400 ans pour le faire, avec toutes les violences, toutes les contradictions, tous les chocs qu'on puisse imaginer. On a passé par là. On a vu, on a vécu. Et donc, je l'ai photographié, je l'ai photographié à la fin. Ce que je trouvais que c'était la vie, ce qu'il fallait montrer, ce que ma conscience me donnait. Et donc, c'est à peu près ça, mes photos. Et quand eh, j'avais fini de photographier une histoire qui s'appelait Exode, parce que le mouvement de population m'intéressait énormément, c'était mon histoire. On est venu en France très rapidement, n'est-ce pas? Et à la fin, comme on émigrait, on ne pouvait pas retourner, mais on étudiait à partir du moment où on ne pouvait vraiment plus retourner, ils avaient enlevé le gouvernement brésilien, enlevé nos passeports, on a devenu réfugiés. Et donc, on passe d'émigrés à réfugiés. Et quand je suis allé faire cette histoire exode, d'une certaine manière, je suis allé faire mon histoire elle-même. Je connaissais cette histoire comme la ligne de la main. Tous les étrangers qu'on avait rencontrés ici, tous ces voyages qu'on a fait dans le monde, tout. Et, et l'histoire avant celle-là, la main de l'homme, que j'ai faite, c'est le monde du travail. Nous, moi, j'avais été économiste, l'ALIA avait fait architecture, et nous, on était dans des groupes d'études de marxisme ici à Paris. Et donc, quand on a vu que des pans entières d'industrie commençaient à disparaître, qu'on avait commencé à réorganiser des mondes de du travail d'une autre manière, que je photographier la main de l'homme, j'allais faire une histoire que c'était l'histoire que m'intéressait de faire. C'était un hommage à ce monde de travail et ce monde de travail qui n'était presque plus ici, il commençait à disparaître, pour les trouver, il fallait aller en Chine, en Inde, en Amérique latine, un peu partout. Et donc l'ensemble de mes photos, c'est un peu la manière que j'ai vécu les moments historiques de ma vie. Et Genesis, c'était ça. Je venais de terminer de photographier Exode. C'était une partie très difficile de la vie, très difficile. Je vis des choses ténébreuse, quand j'ai photographié Exode. Quand j'ai fini Exode, je ne croyais plus à la possibilité de survie de l'espèce humaine. Je croyais qu'on allait directement contre un mur. J'ai fait des choses qui m'ont vraiment blessé. Il y a des moments où même mon corps, tout a commencé à mourir. J'ai arrêté de travailler parce que c'est très difficile. Et donc, on a fini ça. On a comment à faire les présentations. C'était à peu près la même époque qui ont commencé à planter nos premiers arbres au Brésil, dans cette ferme qui, quand j'étais gosse, elle avait 50% de couverture de forêt. Et quand on retourne au Brésil, après les années d'exil en France, elle avait 0,3%. Elle avait moins de demi-pourcent de couverture de forêt, comme toutes les, les fermes de ma région. On était complètement choqués pour la destruction de tout l'environnement. Et là, qu'on finit de photographier Exode et qu'on commence à planter nos premiers arbres dans cette euh, ferme qui avait été une ferme, que nous, on avait transformée en parc national, qu'on s'est proposé de replanter, de récupérer toute cette surface et qu'on commence à voir ces premiers arbres naître dans une terre que je ne croyais plus capable de naître quoi que ce soit, on a commencé à voir qu'il avait un énorme espoir. Et qu'on on commence à voir des dizaines, des dizaines de milliers d'arbres revenir, des oiseaux qui revenaient, de tous les insectes, la vie qui revenait. Là, avec les lions on a pris la décision de faire une série de photos, mais une série de photos, cette fois-ci, liées à l'environnement, liées à la planète. Et pendant deux ou trois ans, on a conçu ce projet, on a discuté largement, et quand on est venu voir à, à Paris-Matche, comme je suis allé voir 8, 9 magazines, c'était un groupe de 8 magazines ou 9 magazines dans le monde qui nous a financé ce projet pendant un certain nombre d'années. Et le projet était déjà conçu. On savait ce qu'on voulait faire. J'ai passé des mois et des mois à Conservation International, c'est une organisation non gouvernementale environnementale à Washington qui travaille avec la conservation et avec des archives incroyables. On a fait des recherches. Et on a découvert une chose fabuleuse, c'est que 46% de la planète était encore comme dans les jours de Genèse, comme au début. Ce n'est pas que l'homme n'avait pas passé, on ne connaissait pas ces endroits, on les connaissait très bien, mais ils n'étaient pas détruits. Et c'était facile, si on prend bien le calcul, de voir. On a une quantité de déserts incroyable. peut-être on a exploité 4 ou 5% de ces déserts, ils sont là encore. On a une grande quantité de forêts dans l'extrême nord de la planète, en Sibérie, en Alaska. Canada, un peu de forêt dans l'extrême sud de la planète, ces forêts froides. On a pas mal de forêts tropicales en Amérique latine, un peu en Asie, un peu en Afrique, tous les terres au-dessus de 3000 mètres de haut, n'est-ce pas? Et quand on commençait à additionner tout ça, ça fait énorme. Et là, on a pris la décision de cette fois-ci de ne plus faire que des sociales, que des photos, et des conflits, des sociétés d'où. Nous, on avait venu, ce projet qui avait amené énormément dans notre vie ces projets de, de plantation d'arbres. Qui, en réalité, on a commencé ce projet en 90, mais à la fin des 99, on a commencé à planter les premiers arbres et qu'ils ont commencé à naître. À partir de l'an 2000, on a commencé à concevoir Genesis. On dit qu'il fallait faire un projet et on a mis trois, quatre ans pour le faire. Quand on est venu voir là, le projet était monté, structuré. On allait le faire n'importe comment. En réalité, on a pris un échantillon dans la planète. On a vraiment écrit un projet comme un, un guideline pour un film, et en sachant qu'en prenant qu'on avait un certain nombre d'années avec les magazines déjà huit ans, c'était énorme comme malin. Fini pour un un chef et dire j'ai un projet 8 ans. La première chose qu'il m'a dit, mais Sébastien, je ne suis pas sûr que dans deux ans je serai là. Comment je vais m'engager pour 8 ans? C'était la réponse de tous les rédacteurs en chef. C'était très compliqué. Voilà. Et là, on est allé, et on faisait des projets pour 2-3 ans renouvelables. Et pour les magazines aussi, à la fin, c'est pas mal, parce que un magazine hebdomadaire, il doit produire 55 magazines par année. Si y a quelqu'un qui vient, écoute, je te donne 5 histoires, béton, c'est partant. Les sont partants parce qu'ils ont besoin d'histoires aussi. Et comme j'avais déjà, je venais de, de quand même avec 15 ans de, de, de contrats avec paris Match avant, parce qu'on a fait organiser beaucoup d'histoires, et donc les gens croyaient que je pourrais vraiment faire l'histoire, et donc c'était organisé, on a, on a parti pour faire ces histoires. Et donc on a organisé par région de la planète. On savait qu'on devait faire un travail au extrême sud de la planète, au extrême nord, on devait faire une partie des forêts tropicales, l'Amazonie, on a choisi, parce que là, c'était le Brésil, principalement, les Vénézuéliens, et beaucoup en Afrique. Et après, choisir des, des sanctuaires, quelques sanctuaires, normalement des îles. Et, et donc, comme ça, à la fin, on pouvait couvrir toute la planète, certains endroits très difficiles comme l'Europe, où il y a très, très peu d'endroits qui sont vraiment intacts, qui, là, tout, tout était vraiment touché. En Asie, très compliqué aussi, pas facile, l'exception des Himalayas et certains spots en Asie, c'est un continent où il y a une grande majorité de la population humaine, tout était très touché. Mais donc, on a fait un choix. C'était un, un échantillon, parce que autant ans, ça semble long, mais c'est très très court pour un échantillon sur la planète. Et à la fin, on a fait un échantillon de 32 histoires qu'on a mis en moyenne des mois pour par histoire, ce qui me faisait quatre histoires par année, en étant huit mois dehors, c'est que j'ai passé huit mois dehors, et un total dédication et concentration sur ces projets pendant huit ans. Et les résultats, c'est, on va voir tout à l'heure, quelques photos. Vous allez excuser, j'ai mis que des photos horizontales, parce que c'est beaucoup plus harmonieux dans une projection. N'est-ce pas, si on a des verticales et horizontaux, donc... Et on va voir des expos vont venir, on va voir les verticales dans l'expo mais ici on va voir qu'il des horizontaux mais c'est un échantillon c'est un échantillon de ce qu'on a photographié pendant toutes ces années on a des livres qui sont qui sortiront, les expositions commencent à être présentées au mois d'avril on commencera à Londres au musée d'histoire naturelle, Lélia est en train de dessiner une, une exposition là-bas et on a Quelques jours après, le 2 mai, la même exposition commencera à Toronto, au Musée Royal Ontario. C'est un très, très beau musée à, à Toronto. Et 13 jours après, on a une autre qui commencera à Rome, dans les Ara c'est un très, très beau musée à, à, aussi à, à, à Rome. Et le 28 mai, on commencera à Rio, au Jardin Botanique, qui a un espace muséologique, et des photos qui vont se faire dans les jardins aussi. On a des livres qui seront publiés par Tachène, un livre grand public d'un peu plus de 500 pages, un livre qui sera très bon marché, tout le monde pourra avoir accès à ces livres. Et Tachène fait un deuxième sous-mot, de la même taille de livre de Helmut euh, Newton, un livre d'à peu près 700 pages, et conçu d'une manière complètement différente de celui de, de Helmut, que là, vient de finir aussi. Et là, on commence l'impression. Et on a aussi un, un film. Et notre fils Juliano, qui est cinéaste, il est venu avec moi dans cinq reportages, de ces 32 reportages que j'ai faits. Et avec vin Wenders, le cinéaste allemand, qui a fait. vin devait venir avec moi aussi. Mais vin il était très malade. Et il n'a pas pu voyager, mais il pouvait venir à Paris, voir les photos, faire de longues interviews. Il a pu venir au Brésil dans notre projet environnemental, travailler avec nous. Et là, ils sont en ce moment à Berlin en train de monter ce films qui sortira avait près à la même époque des, des expositions et des présentations des livres. Mais si vous voulez, on va jeter un coup d'œil à ces images. Et, et après, et, et après on, on, on va discuter. On, on discute un peu. J'essaierai de poser quelques questions. Tu me laisseras poser des questions. Bien, bien, bien on envoie en la projection. C ça dure 20 minutes, hein, c'est ça? Alors Après un, un tel spectacle, parce que c'était vraiment un spectacle, c'est difficile de revenir à, à un entretien. Je voudrais bien préciser le, parce que j'ai un contrat. On m'a vraiment demandé de euh, te faire parler de la création. Euh, c'est dans un cycle de conférences, et donc il faut qu'on approche euh, ce ta dimension d'artiste photographiant. Euh, moi, la première question que je voudrais te poser, c'est celle qui est à l'origine. Euh, pourquoi tu fais ce, ce choix, euh, après un, un début de carrière d'économiste de, euh, dans une société où tu as sans doute un grand avenir Pourquoi d'un seul coup, en prenant euh, des photos en Afrique avec euh, les gars, tu fais ce choix qui n'est qui pas n'importe quoi, c'est un, un choix de, de vie et tu rentres là dans un, dans un métier, mais plus que dans un métier, dans une écriture, dans, dans une œuvre. Donc, pourquoi Et quelle est ta démarche à ce moment-là Est-ce que tu dis, voilà, j'ai envie de, de... Tu as commencé à en parler, d'aller voir euh, au bout du monde ce qui se passe. Donc ça, c'est une démarche plutôt de, de journaliste, de témoin. Ou bien es-tu déjà dans une... dans l'approche d'une... D'une œuvre et dans cette volonté de, de grands récits, comme tu as pu commencer à le faire il y a 40 ans. Le déclic. La première fois que j'ai eu l'opportunité d'avoir un appareil photo dans la main, c'était en 1970. J'ai étudié économie. J'étais même dans une école très, très dur ici en France, l'INSAE, l'école de l'INSEE, on faisait économie mathématique. Et. Lélia faisait architecture à Beaux-Arts. Elle achète une caméra pour faire des photos d'architecture. Un Pentax. Une Spotmatic 2 avec un objectif 50 mm. On était première année en France. On était en vacances à Haute-Savoie. Des copains nous avaient prêté une maison. montonnet sur clermont, côté d'un lycée. On va à Genève, on achète cet appareil qui très bon marché à cette époque. Et... La pauvre laine n'a jamais eu l'opportunité d'utiliser son appareil parce qu'on est arrivé. J'ai mis cet appareil dans l'air. J'ai compris tout de suite que c'était une opportunité énorme que j'avais de me mettre en rapport avec tout à travers ces visières et que ma façon de vivre à partir de ce moment, c'était une autre. À partir de ce moment, quelque chose m'avait touché. À l'intérieur de moi-même, et qui est, comme tu dis, une écriture, vraiment une écriture, une écriture est très esthétique, parce qu'on a un langage formal, on avait ces formats, et la lumière, les contours, les tout qui donnaient, tu vois, et sortir ce qu'on avait senti à ce moment à travers une image. J'ai commencé à faire le noir et blanc, mais la première photo, effectivement, que j'ai faite dans ma vie, c'était une photo couleur, photo de l'alerte, c'est à la fenêtre. Et à partir de là, ma vie a changé, changé complètement. Et tout ce que j'ai senti comme envie, comme idéologie, comme rêve, tout absolument tout dans ma vie a passé à travers cet appareil photo. C'était une continuation de moi-même dans tous les sens. N'est-ce pas Je ne crois pas que pendant toutes ces années que j'ai commencé de photo jusque-là, je n'ai pas pensé la photo au moins 80% de la journée. Tu vois? Rêver de la photo, imaginer des endroits qu'aller allait faire des photos, imaginer les photos qui pouvaient faire S'est passé de cette façon qu'on avait imaginé au fond de soi-même. Et si on attendait bien, la photo se faisait de cette façon. Tu vois Curiosité, un langage, une vie, et une euh, éducation totale. Et, et donc, c'est ça. C'est ça, là pour moi, l'univers des créativités. À la fin, c'est toute ma vie qui sont dans ces images. Alors, au départ, tu, tu démarres comme. Photographe, journaliste, comme photojournaliste dans des agences, donc tu, tu couvres l'actualité. À partir de. Donc là, tu as des obligations, on va dire, de neutralité, d'honnêteté, ce qui ne veut pas dire que l'engagement ne soit pas honnête. Mais à partir de, de quel moment tu, tu estimes que tu dois sortir d'une structure dont, qui est entièrement liée à l'information pour aller davantage vers un travail d'auteur. On peut dire que la différence qu'il y a entre un journaliste qui est un témoin et un auteur, qu'il soit écrivain ou qu'il soit photographe, c'est une forme d'engagement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de toi, je sais que ça t'énerve, mais ce pas grave, que tu es un photographe engagé Depuis le premier moment, en réalité, la seule façon que j'avais d'y aller, c'était à travers un support, de publier mes photos et ce support. C'était la presse au début, ce n'était pas la grande presse. La grande presse, je la connais bien après. J'ai travaillé beaucoup avec ce qu'on appelait la petite presse, mais elle était beaucoup plus grande que la grande, parce que c'était la presse militante française, chrétienne, pas seulement catholique, chrétienne, parce qu'il y avait beaucoup de journaux protestants aussi, et, mais des journaux à l'époque qui tuaient plus d'un million d'exemplaires. J'ai des journaux qui tueraient 1 800 000 exemplaires par mois. La vie catholique à l'époque tuerait presque 1 million d'exemplaires par semaine. Et on avait Femmes pratiques, aux femmes d'aujourd'hui, je n'appelle plus. Elles faisaient 1 800 000. SOS de Secours catholique faisait 1 million par semaine. Donc c'était des grands journaux, les plus grands journaux de France, qui avaient une circulation, pas dans les kiosques, mais qui avaient une autre genre de circulation. Et c'est sur ce support que j'ai commencé avoir l'opportunité de publier mes photos et de pouvoir y aller et pouvoir y aller d'une façon que j'ai toujours trouvé ma façon même après quand je suis venu sur les agences de presse j'ai commencé à Sigma où je n'ai pas trop aimé parce que c'était très difficile de démonter un rapport entre photographes. j'ai passé six mois mais après je suis venu à Gamma à Gamma en travaillant en commande de magazine j'ai trouvé une manière très spéciale de le faire. Par exemple, au Portugal, je n'allais pas pendant 4-5 jours, une semaine, revenir avec les liens. On a loué un appartement à Lisbonne et on a vécu pendant presque un an à Lisbonne. Tu vois, on dédiant à l'histoire portugaise. On a dédié à l'histoire portugaise et de là, je pouvais faire un saut en Afrique, travailler en Angola, en Mozambique. Et pendant que j'étais à cette époque, un travail au Portugal. J'ai commencé un travail en Afrique il a duré au moins 4 ou 5 ans. Et donc, euh, en faisant des commandes pour des magazines. Et jamais j'ai travaillé pour les quotidiens. Je travaillais toujours pour les matières. Je ne dis pas jamais. C'est vrai, j'ai travaillé beaucoup pour Libération, mais pas pour des histoires des jours les jours. Pour des de grandes histoires qui ont publié comme grand grands espaces dans les magazines. Mais je me dédiais à des histoires. J'adorais me dédier d'histoire, d'aller à fond, de les connaître beaucoup plus. Et donc, je ne peux pas dire tout à fait que je faisais des photos de journalisme à la commande, parce que je faisais la commande, j'envoyais les photos, mais je restais beaucoup plus de temps pour moi-même. Et donc, c'était un procès qui, à la fin, c'est les mêmes choses qu'aujourd'hui. Il n'est pas très différent de pouvoir, comme je l'ai dit, me dédier pendant huit ans. Qu'est-ce que j'ai fait Je suis venu te voir, voir d'autres rédacteurs en chef. et... On a trouvé des sous au début, à la fin, à, moitié, à partir de moitié du projet, c'est devenu très compliqué parce que les magazines ont changé complètement la donne parce qu'ils vendaient plus la même chose. On avait plein les mêmes supports financiers. Et là, on a tourné vers des fondations, vers des entreprises, mais on est arrivé à vendre des tirages de collections. On est arrivé à finir le projet, mais... Ce n'était pas très différent au fond de début. Ce n'est pas très différent, mais on peut dire aussi que c'est fondateur. Parce que pendant ces, ces, ces années de, de, de photographe avec ses photos publiées dans la presse, donc tu traites des sujets et tu dis à un moment, je crois que c'est à propos de Genesis, tu dis bon certes, je, je photographie ce qui est beau, je photographie la beauté du monde, je montre à quel point ce, ce monde est endommagé, mais qu'on peut encore le sauver. Mais cette beauté ne m'empêche pas de me souvenir de l'horreur. Et là, je crois que tu fais référence au Rwanda. Est-ce que ça veut dire que, que ces années de, 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 de photographe pour couvrir l'actualité euh, on, on nourri ton autre euh, carrière, c'est-à-dire quand tu prends totalement ta, ta, ta liberté avec Amazonas, et que ça t'a servi de background, tout comme ta, ta jeunesse ou tes ou tes études d'économiste On venait d'un monde, tu vois, des militants politiques, on venait des partis politiques, on était très, 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 très liés à une, une idée, tu vois, sociale du monde, à une meilleure distribution de revenus, c'était ça. Tu vois, à notre époque, c'était ça qui comptait, un monde de solidarité où les concepts des, des, des communautés, de solidarité, c'était la base de tout raisonnement. Et donc, tu vois, quand je vais faire des photos quand je commence, tu vois, c'était ça ma tête, c'était ça que je venais de mon monde latino-américain, Brésil, tu vois, un état profond de sous-développement, mais qui commence à, à trouver toutes ces contradictions dans un espèce de développement qui on pouvait questionner n'importe, tu vois. Et donc c'était ça ma vie, tu vois. Quand j'ai même ma, ma vie, ma photo là-dedans, tu vois, c'était des là que je venais. Et au fur et à mesure, tu vois que que j'ai changé, que, que le monde a changé, que j'ai pu passer à travailler dans des histoires comme La main de l'homme, qui à la fin, La main de l'homme. On a conçu un projet vraiment, tu vois, sur la fin d'une époque industrielle, tant que le titre du livre, quand elle l'a dessiné, c'était. Euh, en réalité, le titre de ce livre, c'était en anglais. Il était tra traduit en français d'une façon très. Très pompeuse à la fin, la main de l'homme, mais le nom du livre, c'était Walkers. Et quand on a réuni chez nous avec un groupe de copains pour donner les titres en français, bah, tout ensemble, on a conclu que l'étude des livres c'était prolétaire. Et là, a dit Mais vous déconnez, tu vois, qu'est-ce que va acheter un livre avec les titres prolétaires Ça ne m'achète pas du tout. Et je rappelle que c'était Jean-Marcel et, et, et qui. Prendre des copains, tu vois, qui venaient de l'IB, qui venaient de Jean la culture. Tout le monde, avec quelques bouteilles de vin, c'était prolétaire, pas de question. Et donc, mais le titre du livre, c'était Workers, une archéologie d'une époque industrielle. On a travaillé sur l'archéologie d'une époque industrielle pendant cinq ans. On a cherché ça partout au monde. Je dis on parce que eh, tout, on a conçu ensemble avec les liens et on a une équipe. On a toujours une équipe, même à l'époque j'étais à Magnum, on avait une équipe à nous qui travaillait, qui pensait, des copains et tout, tu vois. Et je me rappelle quand j'ai fait les livres sur les Sahel avec René Broman de nuit, de nuit, chez sans Frontières, au fond fond de l'Éthiopie, on discutait sur les concepts, qu'on commençait avec les liens de la main de l'homme, comment faire. On y aussi venait de la même école, tu vois. C'était tous des maoïstes qui ont venu là-dedans et tout. Et c'est ça, tu vois. Et donc, on a commencé à faire ce livre, on a commencé sur un concept. J'ai travaillé en un concept pendant cinq ans. Mais en travaillant pour Match, en travaillant pour tous les magazines, tu vois, on passait. Ça rentrait beaucoup en actualité, tu vois. Mais au fond de l'histoire, il y aurait beaucoup plus. Et tu parles du Rwanda. Le Rwanda, c'était le premier pays que je connais en Afrique. Quand j'étais économiste à l'Organisation internationale de café à Londres, je suis venu au Rwanda pour financer les premières plantations de thé. Le Rwanda était un grand producteur de café, mais il fallait diversifier la culture des cafés. On est venu et mmh. je rencontre un jeune monsieur, très dynamique, un jeune. De économiste rwandais qui s'appelle ce monsieur Joseph Muyakind, c'était près mon âge mais il était le directeur de culture de l'office de culture industrielle de Rwanda et on a travaillé ensemble on voyageait tous les Rwanda j'avais mon petit appareil photo parce que j'ai commencé à faire les photos déjà à cette époque j'amenais à Londres les deux choses les rapports économiques qu'on devait faire et les photos mais on a commencé avec la Banque mondiale à financer la grande industrie du thé de Rwanda. Ça passe des années, je vais faire le livre La main de l'homme, je retourne au Rwanda, je dis, il faut que je vienne voir ces plantations de thé, tu vois. On revient sur le même endroit, je trouve M. Mouniakine à nouveau, qui me donne un coup de main énorme pour aller faire les plantations de thé au Rwanda et tout. À l'époque, sa femme était déjà un peu persécutée parce qu'elle était toute si lui ou tout, elle était toute si. elle était en tôle, on a mené des lettres en Allemagne pour dénoncer sa prison et tout. Et ça c'était en 91. Je retourne au Rwanda en 94, mais en faisant déjà la main de l'homme, et, et la exode. Et Monsieur Kindi était assassiné avec sa femme, ses enfants, avec tout le monde. Vous savez, je retourne au Rwanda, le même endroit. Je reviens au Rwanda deux ou trois fois en faisant exode, en travaillant avec Matt, en faisant tout dans l'idée des mouvements des populations qu'il y avait dans le monde entier. J'étais là-bas. Et finalement, j'ai revenu au Rwanda pour photographier les parcs des gorilles. Et toujours dans un périmètre de maximum 50-60 km. Tout ça s'est passé dans le même endroit. Les plantations d'été, les, les... au début qu'on faisait financer, que tout. Il y a des coïncidences des choses, tu vois, qui quand on regarde les images séparées, on dit, tu ah, t'as les fait. Mais quand on regarde l'ensemble, à la fin, c'est l'ensemble de ma vie que je viens passer. Par. Ta formation d'économiste, est-ce que ça t'aide dans ton travail de photographe, dans ta réflexion d'artiste, euh, c'est-à-dire euh, à la fois de, de t'intéresser aux causes et d'envisager les, les conséquences de ce que tu vois Ça m'aide énormément, dans beaucoup de sens. D'abord, l'économie que j'ai faite, ce n'est pas l'économie d'entreprise, ce n'est pas une administration d'entreprise, c'était ce qu'on appelait à l'époque l'économie politique. On avait une formation des comptes nationaux, des finances publiques, et d'histoire économique. Et à la fin, c'était des sociologies et, et, et quantifiées. Tu vois et on, on, on étudiait énormément des sociologies, des géopolitiques. On a une formation, et cette formation m'a aidé énormément pour avoir mes situés dans mon monde, de les comprendre, d'arriver dans un endroit, être capable de faire une synthèse, faire une analyse, et faire une intervention, de comprendre les variables qui pourraient jouer dans une certaine société, ça m'a aidé énormément, cette compréhension. J'ai senti ça beaucoup de copains, photographes, dans les agences, qui étaient des excellents photographes, excellents cadreraires, mais ça les manquait une formation. D'autres qui avaient cette formation et qui ont compris parfaitement, par exemple, beaucoup de photographes en Magnum avaient cette compréhension, mais il y avait un. Qui venait de la même école et qui allait sur les terrains, c'était votre... Gilles Pérez. Gilles venait de la même formation, de la même type de, 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 de militance, des choses. Et donc, c'était très drôle des fois. Mais ça m'a aidé énormément. Et deuxième chose que l'économie m'a aidé beaucoup, être capable de concevoir un projet, de le quantifier, de l'organiser, de le structurer et d'aller vers les magazines avec une structure complète. Et donc, ça m'a aidé énormément, énormément. Je dois dire, enfin moi je sais puisque je l'ai vécu que la préparation d'un reportage de, de Salgado, c'est une opération très minutieuse. Euh, à tel point, c'est même une anecdote, il y a Joël Audi qui, qui est là, que tu connais bien, parce que vous avez travaillé ensemble à Match, et puis maintenant vous vous voyez à Polka, puisque travail, Joël travaille à Polka. Joël me racontait euh, qu'un jour tu, tu, tu travaillais sur un, un reportage dans le désert du Kalahari. Et Joël, tu as parlé d'un livre, je regarde le nom de l'auteur, c'est Laurence van der Post. Et toi, tu avais bien sûr lu le livre et tu avais lu d'autres livres. Ça veut dire qu'un reportage, quand tu le prépares, on va parler aussi de l'aspect matériel, mais c'est de faire une grosse documentation sur tout ce que tu vas voir, c'est de te préparer complètement Oui, parce que, comme j'expliquais, j'ai fait faire les histoires qui m'intéressent. Tu vois, je n'ai jamais accepté une commande dans un magazine, excepté c'est des choses de 2-3 jours, une chose courte, mais une histoire à long terme, qui ce n'était pas mon histoire. C'est moi qui allais le proposer. Tu vois, parce que euh, c'est ça qui m'intéressait de faire. Tu vois, et si ça m'intéressait de faire, c'est des histoires qui m'intéressaient à fond. Donc, j'allais me préparer, j'allais lire, j'allais m'intéresser aux histoires. Et quand, quand on arrivait sur place. J'arrivais à ce place, je, je connaissais, j'ai intégré l'histoire. Et donc, c'est naturel je sais pas, que ça se passe comme ça. Et quand tu arrives sur place, que tu parlais d'équipe, est-ce euh, que est Salgado arrive seul sur place ou bien il y a déjà des, un fixeur, une organisation, des, toute une équipe autour de toi Je n'ai jamais arrivé seul. Jamais de ma vie arrivé. Seul. Même à l'époque que j'ai un assistant depuis très peu de temps, seulement à Genesis que j'ai un assistant, parce que j'ai changé de matériel. On va parler de format, que j'ai travaillé un moyen format des caméras beaucoup plus lourdes et, et j'ai devenu beaucoup plus vieux. Donc il fallait un, un certain coup de main pour, pour faire les choses. Pour Genesis, il fallait beaucoup grimper. Donc j'ai travaillé avec Jacques Barthélémy, est un guide des hautes montagnes, qui m'a aidé à, à utiliser les cordes, à, à utiliser. À apprendre à marcher des jours et des jours et donc j'ai appris tout ça mais avant j'ai travaillé j'allais seul mais jamais vraiment seul parce que jamais je suis allé faire un reportage sur les sahel sur la famille n'importe où je suis allé directement là-bas pour faire les photos je suis toujours venu avec une structure avec une institution au Léo Commissariat des Nations Unies pour les Vosges, au UNICEF, au Médecins sans frontières, au Comité catholique contre la faim pour le développement. Toujours mes photos, avant de venir au magazine, elles partaient à ces institutions. Quand j'ai fait les livres avec Médecins sans frontières, Sahel, L'homme en détresse, j'étais Médecins sans frontières, j'ai devenu Médecins sans frontières. Une partie des, 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 des photos... Des, 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 des revenus des photos qu'on a eues à Magnum est allé d'abord à Médecins Sans Frontières parce que j'ai utilisé leur structure, leur voiture, leur maison, leur alimentation. Il fallait d'une certaine manière les rétribuer pour ça. Et mes photos allaient d'abord à Médecins Sans Frontières pour. Et, et la campagne, toute la campagne, de, de trouver des fonds. Et donc, j'étais médecin sans frontières, dans les assemblées de médecins sans frontières, je votais. À la fin, j'ai appris même à sculpter. Je savais que quand quelqu'un avait la tuberculose ou pas, tu vois, les médecins mettaient les choses. Je savais faire réparation des blessures, des choses comme ça. Ça, j'ai appris à le faire. Donc, c'était ma vie. Pendant 18 mois, j'étais médecin sans frontières. Et donc, je comprenais leurs causes, leurs manières de faire. C'était ma vie, et ça m'intéressait de le faire, d'y aller, et donc euh, c'est un peu ça la chose. Alors, comme on parle de la création à l'œuvre, euh, comment se passe le, le moment où tu photographies euh, Cartier-Bresson parlait de l'instant décisif. Euh, Est-ce que tu partages cette, cette remarque de Cartier-Bresson Est-ce qu'il y a un instant décisif pour toi est-ce que les photos que nous voyons euh, sont le, le fruit de milliers de photographies que tu choisis après Comment ça se passe Tu arrives avec ton matériel, avec ton équipe, et, et la prise de vue se passe comment Écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces photos, c'est ma vie. Et être photographe, photographier, c'est une façon de vivre. Et donc, pour moi, les concepts des moments décisifs d'Henri et... Où, si on prend une parabole, on touche en haut, on a un tangent zéro en haut, tu vois, peut-être qu'on est au point maximum de ce phénomène. Bah, C'est là. On a la grande photo. Moi, je n'ai jamais été capable d'être aussi si malin qu'Henri, de faire la photo là, dans ce moment. Moi, je m'intéresse beaucoup plus de travailler dans les phénomènes. Donc, je travaille beaucoup. Je vais photographier quelque chose, je commence, le matin, je suis, ou j'évolue, tu vois, et ça devient ma vie, et il y a des moments très intenses, que je sens que les images montent en intensité, et quelquefois je fais des photos exactement là, tu vois, dans les hauts, tu vois, de cette parabole, si on pourrait dessiner le mot photographe comme une parabole là-haut, et après on descend en intensité, on photographie à nouveau, on abandonne et on recommence à nouveau, tu vois. Et, et c'est très, 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 très enrichissant. C'est très fort. C'est très bon, tu vois, d'avoir, pouvoir participer dans ce phénomène, d'être intégré avec tout le monde. Si on est dans cette salle avec 150 personnes, si on commence à photographier, à partir de 20 minutes, une demi-heure, tout le monde est lié à l'image, au photographe. Au moment qu'on prend, à son sourire, à son dignité, à son relation, on commence à vivre d'une manière tellement forte. J'ai fait un livre que personne ne connaît en France parce que j'ai fait avec le comité d'entreprise de SNCF. Et c'est un livre qui s'appelle Cheminot. Et donc, on a fait un tirage de 5000 exemplaires qui étaient distribués par les Cheminots en France. Il n'était pas vendu. Ce livre n'était pas un livre de marché. Et je me rappelle une fois, j'ai travaillé dans une petite gare au massif central qui s'appelle Lama -tivi. Tout petit gars qui devait avoir trois ou quatre troncs, tu vois, qui manœuvraient j'arrivais en train de passager et j'étais avec un copain qui s'appelait Antoine, de Géaglis des comités d'entreprise. Je faisais des photos. Un moment, il me dit Sébastien tout cette gare, sans exception, travaille pour toi. Et lié, lié à ton appareil photo." J'ai commencé à faire attention. C'était vrai. Les mecs qui bougeaient les locomotives, les mecs qui nettoyaient les wagons, les passagers qui descendaient, tu vois, les mecs qui travaillaient sur la voie, tout, tout, tout. C'est tellement intense la photo, tu vois, qu'à un moment, ça, tout est lié. Il y avait quand même, quand on photographiait un, néga, un négatif, un film, un moment terrible. C'était au moment de changer la pellicule. Parce qu'on allait en photographier, on était dans un phénomène, ça cassait, tu vois, parce qu'il fallait ouvrir le boîtier, enlever le film, remettre un autre, le mettre en place, le fermer et tout. Mais j'ai trouvé une stratégie, tu vois, un stratagème. Qui a marché et qui marche jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'en chantant, en photographiant, au moment qu'on change les films, on continue à chanter et la chanson ne te laisse pas casser la séquence. Et donc, je chantais et j'ai continué à chanter. Et donc, j'ai appris à chanter, en photographier jusqu'à aujourd'hui, quand je suis vraiment dans ma photo, en thé, tu vois, je chante. Je chante n'importe, tu vas n'importe quelle musique, mais la chanson a en fait cette. Si j'ai juste réussi à, à faire dire ça à Sébastien, je suis très content de moi. Parce que j'avais jamais entendu et c'est formidable. Euh, un jour, j'ai interrogé William Klein et on parlait de, 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 de l'instant où il photographie. Euh, donc on cite toujours Cartier-Bresson c'est la référence. Et lui, il avait une démarche un, un petit peu comme toi, en expliquant c'est pas la photo, c'est le fait, c'est la, la scène, c'est d'être là, c'est de prendre, c'est de prendre. Il a utilisé ce mot en disant je suis comme un personnage qui rentre en transe, complètement. Ouais, complètement en transe, tu vois. Si en transe, tu, tu... c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents avec des photographes. Parce qu'il y a des moments, tu es en transe, tu vois. Tu mets les pieds dans un trou, tu tombes, tu peux tomber, tu vois, d'une montagne, tu vois. et, et c est, c est, À la fin, ça devient un tout petit peu dangereux, tu vois. Ah oui, mais mais parce que tu es en transe, vraiment. C'est un sujet sérieux. pour les, les photographes de guerre se mettent très souvent en danger quand ils travaillent seuls. Quand il y a un, un journaliste écrivain à côté, ce journaliste est là aussi pour l'arrêter à un certain moment, parce que c'est vrai qu'on est parfois pris par son, par son histoire. Il y a des, des photos de toi qui sont archi célèbres, qui sont donc des, des icônes. Euh, quand tu photographies les, les paysans sans terre avec les, les, les fossiles levés, quand tu photographies dans la mine d'or de Serra Pelada, le, le, le mineur qui tient le, le, le canon du, du, du garde, euh, là tu sais que c'est la photo. Oui, tu vois, cette, cette photo du canon... Est... Il avait des conflits dans cette mine. Il y avait 50 000 travailleurs, que des hommes. Les femmes étaient interdites pour ne pas avoir de conflits. L'alcool était interdit. C'était une tension très forte. Et le mec devait transporter des sacs de boue, les jeter dans un endroit, jusqu'au moment qu'on rentre dans, dans la terre. Les minéraux changent. Tu arrives proche des filons d'or, là, tout change. Tu prends des sacs différents, des colorés, et l'or passe. Mais, la vie dans une mine comme ça, 95% des temps, c'est transporter de la boue, des minéraux, de fer, n'importe. Et les types allait jeter dans un certain endroit. Il y avait des polices placées dans cette mine et qui surveillaient que le mec ne jette pas les produits, tu vois, ces, ces, ces résidus, sur un morceau d'une mine. Parce qu'à la fin, la mine, c'est appelée, ce n'était pas une mine, c'était plus de 1500 mines. C'était des carreaux de 2 mètres par 3 mètres, c'était une mine, l'autre à côté, c'était une autre. C'était concession, il y sur chaque morceau comme ça, il y avait une trentaine, une quarantaine de personnes qui travaillaient. Donc, il fallait transporter cette terre. Et donc, au moment qui s'est passé, ces conflits, c'était très ponctuel, c'était pour moi une chance. D'être dans un point, le conflit a duré, j'ai fait trois photos et il est fini. Parce que normalement, ce qui se passait, les gardes avaient les fusils, et si le mec bagarrait, il tirait quelquefois, il tuait. Et à ce moment, le type avait les cailloux partout, des il lâchait, il tuait les soldats. Mais la tentation de tuer était tellement énorme que le mec arrivait à tuer. Dans ce cas, il n'a pas tué, la bagarre a descendu, mais si tu regardes bien cette photo, il y a une chose intéressante. Le type a les, les fusil. Les, les travailleurs tiennent les canons, et l'autre main des policiers, il y a un revolver en bas déjà dans la main. Les mecs, ne sont vous ils ont sorti le revolver. Là. Donc la violence était très forte, mais ça se passait en trois photos. tu vois. Mais pour moi, le phénomène, ce pas seulement ces trois photos, c'était tout ce que je pouvais faire dans une journée. Tu vois, d'y aller, de tourner, de vivre dans cette mine du matin au soir. Et vraiment en, en trans totale, en liaison totale avec tout, tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas besoin d'ailleurs. Alors ces photos sont toujours en noir et blanc, ça appartient à la signature Salgado. Moi je connais la réponse, mais je pose quand même la question parce que la réponse peut, peut intéresser. Pourquoi le noir et blanc Écoute, depuis le début, euh, j'ai fait des couleurs, mais les noirs et blancs, je pouvais les développer. Et pour moi, il y a une chose très importante dans la photographie, c'est la séquence photographique. Comme j'ai dit, ça m'intéressait énormément les phénomènes photographiques. Et au moment d'éditer, de préparer, ça m'intéressait beaucoup d'avoir la séquence. À l'époque, quand on travaillait en couleur, on travaillait en diapositif. On prenait un film, on le montait, il était monté en petit carreau. On Regardez, cette photo est bonne, on le mettait de côté, c'était bonne. Celles-là sont un peu floues, on les jette. Celles-là, c'est à peu près, on les met de côté. Mais celles qu'on mettait de côté, rarement on venait parce qu'il y avait tellement qu'on ne venait plus les voir. Et à la fin, on cassait la séquence. On n'avait pas de séquence. Et en noir et blanc, on avait fait la séquence. Je montais un film à côté de l'autre et j'avais mon histoire. Au moment d'éditer, je vivais mon histoire d'une manière aussi intense qu'au moment que j'ai photographié. Et je pourrais revenir. 3-4 ans après sur mon histoire, l'intensité c'était la même. Et donc ça d'un côté pour moi c'était très important. Deuxième chose, c'est que je n'ai jamais beaucoup compris la photo couleur. Quand j'ai photographié j'avais les rouges, quelquefois tellement rouges, qui me prenaient toute la dimension sur le restant de l'image, sur la densité des gens, sur la personnalité surtout, ou le bleu, tellement bleu tu vois, qui ça ça, ça sortait de normal, tu vois. C'était pour moi un phénomène de décontraction Et on travaillait avec les noir et blancs qui c'est une abstraction, rien est noir et blanc. Mais avec toutes ces gammes de gris, me permettait de me concentrer sur les points qui m'intéressaient à l'image. Et donc, je, je, je me dédiais au noir et blanc, je développais moi-même, je faisais mes proches de contact, je faisais mes tirages. Et donc, le noir et blanc, ça a été comme ça. j'ai travaillé en couleur, beaucoup en couleur, parce que quand j'étais jeune photographe, et les commandes des magazines, c'était noir et blanc, mais la majorité, c'était en couleur. Et donc, il fallait que j'aille en boîtier en couleur, en boîtier noir et blanc. Je faisais, qu'est-ce que j'ai perdu de bonnes photos en faisant en couleur Parce que finalement, j'ai perdu toutes mes photos en couleur. J'ai presque rien de couleur. Et, et seulement en 1987, en faisant les 70e anniversaire de la Révolution russe, que j'ai pu commencer, à partir de ce moment, à travailler exclusivement en noir et blanc. Mais jusque-là... Mon dernier reportage en couleur s'était fait sur la place rouge et à l'anniversaire de la révolution soviétique de 70 ans 1987. Seulement -à, à partir de là, là, les magazines ont compris que j'étais un photographe noir et blanc, ont commencé à me passer les commandes noir et blanc, et j'ai pu me dédier exclusivement au noir et blanc. On l'a tellement compris que quand on regarde un reportage de toi ou quand on regarde la place rouge, euh, l'étoile, on la voit rouge même si elle est en noir et blanc. Et, bon, mais ça, c'était au temps de l'argentique, le, le numérique euh, euh, permet autre chose. Comment s'est passé ton, ton passage de l'argentique au numérique Non, c'est passé d'une manière euh, très normale, parce que moi, je ne sais au pas... Au départ, tu étais réticent, tu étais plutôt militant euh, argentique. J'étais militant argentique, je ne croyais pas que on pourrait avoir une très bonne qualité en, en numérique. Et... Mais j'ai commencé à avoir des énormes problèmes avec l'argentique. D'abord, les films. Les films, les faits des matières premières avaient monté tellement des prix, on n'avait plus d'argent sur les films. Les films ont commencé à devenir très pauvres. En travaillant en moyen format. J'avais une qualité peut-être inférieure aux 35 mm que j'ai travaillé 15 ans avant. Deuxième, après l'attentat du 11 septembre, les secrétaires du rapport ont commencé à devenir malades. Et les problèmes des Rayomix dans l'aéroport, ils affectent les films, ils affectent profondément, principalement les moyens formats qui n'ont pas une protection métallique autour de la bobine. Et si tu passes trois, quatre fois un film moyen format eh, au Rayomix, il perd son structure des grands, il perd la gamme des gris, ça devient une chose catastrophique. Et à la fin, les aéroports devenaient chaque fois plus durs et que ça devenait une maladie pour nous. La dernière semaine de reportage, la tension commençait à monter, et monter, parce qu'on savait qu'on allait courir un risque énorme avec les films. Une fois, là, il est des du de Guatemala avec 50 de rouleaux de films. On a perdu 50 de rouleaux de films en un rayon mix. Tout était marqué de rayon C'était une catastrophe. Là, là, au moment que j'ai passé au, au digital, j'étais en instance d'abandonner la photo. Je dis non, je ne pourrais plus le faire. On a arrêté, je au milieu, et ce n'est pas possible. Quand un copain, tu vois, eh, m'a dit eh, Sébastien, aujourd'hui, avec les, les digital, tu as la même qualité que les noirs, Que est argentique, argentique peut-être meilleure, mais je dis non, ce n'est pas possible. Et donc, je commence à faire des tests. J'avais un appareil moyen format 1 un. un un digital de l'autre, je faisais les tests comparatifs, c'était effectivement meilleur. Tu vois? Mais ça restait un problème. Moi, je ne savais pas éditer sur les ordinateurs. Je ne sais pas allumer un ordinateur. Et c'était un problème. Et donc, il fallait trouver une façon de faire. Tout ce que j'ai photographié en proche de contact, je pouvais éditer avec une lupe. Il n'y a pas une manière plus simple, c'était de t'apprendre à allumer un ordinateur non, mais c'est très compliqué de rester deux heures et deux heures devant cet écran. Tu vois, à la fin, tu, je ne pouvais pas. Et donc, on m'a fait des proches de contact incroyables, meilleures que celles que j'avais avant. Tu vois, et après ça, j'ai édité une proche de contact. On a trouvé une manière de faire les tirages de lecture que j'ai toujours fait. On a trouvé une manière de me faire des 24-30, tu vois, comme on a toujours fait. Et à la fin, pendant deux ans de recherche, on est arrivé, avec l'archive digitale, à photographier un film. Plein, tu vois, un, un Delta 100 d'Eillford, et d'avoir un négatif de meilleure qualité que mes négatifs moyen format photographiés directement. Et donc, aujourd'hui, en réalité, je continue à avoir un négatif. Avant, j'ai photographié avec un support plastique. Aujourd'hui, j'ai photographié avec un support digital, mais les résultats sont mathématiquement les mêmes. Tant que dans cette projection, à peu près, c'est moitié-moitié argentique et digital et on ne peut pas voir la différence, parce qu'on a trouvé une manière d'introduire les grands détruits, les films que j'ai travaillés toute ma vie, dans les procès digitaux, donc le résultat, c'est mathématique. On va passer la, la parole à la salle pour te poser des questions. Moi, j'en avais juste deux, très, très rapides. Une, ça va être très rapide, parce que c'est une vieille histoire. Il euh, y a une signature Salgado, il y, y a une écriture, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est beau. Et se trouve que le, le beau, ça peut faire débat. Et il y a quelques années, c'était dans les années 2000, je me souviens, je venais d'arriver à Match. Il y a eu un débat sur, sur tes photographies et notamment Suzanne Sontag a parlé de l'inauthenticité du beau. Euh, ce débat est clos, c'est fini. Mais est-ce qu'à l'époque, ça t'a euh, blessé, euh, déstabilisé Non, mais, mais ce débat était beaucoup plus que ce que Suzanne Sontag est venu après, tu vois. Le débat a été commencé ici à Paris, il est allé très fort et... Il y a eu même des interventions dans, dans, dans les mondes. Henri caché bresson écrit, et, et Roger Théron. J'étais attaqué d'un côté, il me défendait d'autre. Moi, je n'ai jamais intervenu, tu vois. C'était un débat qui passait sur moi, mais hors de moi-même. Alain Mangan, qui est là dans la salle, écrit des articles. Et donc, c'est une chose, tu vois, qui ne qui, qui me concernait pas à la fin. Parce que. C'était ma manière de photographier. C'est ça que je voyais. C'est que, que, comme ça que je me relationnais, tu vois. Et donc, c'est passé un débat tellement spécial, tellement là-dedans, et qu'après, il a descendu de, à nouveau. Mais la seule chose qui m'a fait mal, ce n'était pas ça. Il y a une chose qui m'a fait mal. C'est qu'après ce débat... Et, il y a eu beaucoup de gens avec qui j'avais une très bonne relation, que j'allais dans les vernissages, je rencontrais les gens, ne me parlaient pas. Ils me regardaient comme j'étais un bandit, tu vois, un marginal. Et donc, c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a, j'ai perdu beaucoup de copains, des gens que je croyais que c'était mes amis, tu vois. Et je dit, mais c'est très étrange, tu vois. C'est peut-être que... la jalousie, non je ne sais pas ce que c'est, mais tu vois, il y en a beaucoup de montées, la, la motarde monte, tu vois, et, et ça, ça presse beaucoup, et les gens prennent des parties, et voilà la discussion sur Dieu maintenant, tu vois. Je trouve ça très drôle. Les pauvres Dieu on est en train de les déplumer, tu vois, de tout. il, il, il aide un peu, tu vois, mais, mais ça va dans ce sens, et qui. C'est bête de prendre des parties, tu vois, comme d'une chose qui c'est pas la tienne non plus, tu vois, pour des gens qui prennent des parties et qui, qui arrivent à, à monter une espèce de contradiction. Bien sûr que ça se passe parce que eh, ton nom est devenu un peu en évidence, tu vois, tu es devenu un centre de débat, les gens débattent à propos. Et, et, et c'est ça. Mais, mais je rappelle que notre, notre, notre belle-fille, un jour, elle, elle va et, dans un. Un, un, magasin, un magasin, une librairie, une librairie. il y avait des livres, moi, avec l'article du monde qui m'attaquait à côté. Elle a dit, Madame, vous avez lu cet article? Elle a dit, Ah, je me mets ici parce qu'elle m'aide à vendre énormément de livres, ces choses. Ah, je trouvais ça incroyable, tu vois, tous ces genres de choses. Donc, c'est des, des choses qui sont hors de toi. Tu vois que ça se passe, qu'est-ce que tu peux faire? Euh, bah, dernière question. Euh, on parlait tout à l'heure de, de la main de l'homme à propos de workers. Euh, moi, je voudrais te parler du, du doigt de Dieu. Euh, certaines photos ont un aspect biblique. Euh, le terme Genesis, bon, la, la Genèse, l'Ancien la, la, Testament. Et tu as dit toi-même euh, être marqué par la mythologie de la religion. Et tu parles d'un reportage magnifique que tu as fait en Éthiopie, en euh, dehors de l'Éthiopie. Et, et là, c'est vraiment des, des, des scènes de l'Ancien Testament. Tu es envoyé spécial euh, quelques millénaires, euh, voilà, à l'époque de, de la Bible. Euh, Est-ce que tu es euh, concerné par les affaires religieuses Est-ce que tu es croyant Non, je ne suis pas croyant. Je ne crois pas du tout. Et les termes j'ai je l'ai emprunté comme la religion l'a emprunté. Il existait avant la religion, tu vois, et structuré qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas Et donc, ça n'a rien à voir. Et les lumières, c'est vrai que les lumières de la planète sont phénoménales. Je viens d'une région où j'étais élevé là où on était maintenant, ça fait quelques semaines, et c'est phénoménal. Là, cette lumière qui est là, j'amène avec moi. Dans moi, et un photographe et des reportages comme ça, des, des, des mondes, n'est-ce pas, des photos qui sont en liberté que tu vas les, les saisir, il amène avec avec, avec soi-même sa lumière. C'est la lumière de sa vie, la lumière où il a pris. Doit nous photographier d'une certaine manière. Et il fallait qu'il soit illuminé de face. Moi, j'adore photographier au contraire contre la lumière. Et donc. Il faut savoir la formation de chacun comment il est venu, n'est-ce pas, pour pouvoir saisir ces ce, ce genre de lumière. Mais cette lumière, c'est celle qui m'intéresse, c'est cette façon de voir cette densité de ciel. Mais je comprends très bien, c'est de là que je suis venu. Ma région, à l'époque de saison des pluies, c'est là maintenant. C'est quelque chose d'incroyable comme lumière. Et ça, depuis que j'étais petit, bébé, je suis né là-dedans et je suis venu avec. pour le public, s'il si y a des, des, questions, des questions dans la salle je peux me poser des en portugais sinon tu parles en portugais on traduit tu peux traduire tu peux parler en portugais on traduit <laughs> eh, Meu nome é Ricardo Borges e eu quero saber a respeito da fotografia documental, que me agrada muito, eu trabalho com isso também. Eu quero saber qual é o conselho que você pode dar para sobreviver desse tipo de, de fotografia. Não, eu é, ele, é, ele é saber a propos la, da fotografia documentaire, on en français, francês, documentary photography. E, e como a fé e como vit vida dessa fotografia. É, Écoute, si tu veux faire des photographies doc doc documentaires, ça veut dire des photographies concernées avec le monde que tu vis, tu vois, je trouve que si tu es photographe, tu aimes la photo, tu es déjà photographe. Mais peut-être qu'il faut te donner, tu vois, des outils qui t'aident à comprendre, tu vois. Si j'étais toi, tu vois, je passerais un an dans une université en train d'étudier la géopolitique d'étudier la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, tu vois, la géographie, pour pouvoir te situer, tu vois, dans ton moment historique, tu vois, dans ta société, pour comprendre ta société, pour que tu puisses intervenir, parce que il ne suffit pas seulement et, de vouloir le faire. Il faut comprendre là où on y va. Tu as quelqu'un qui traduit pour toi ou il faut que je. Ah ok merci. Oui, bonjour. J'aimerais savoir quel appareil photo vous utilisez. <laughs> et également, j'avais une autre question. Vous avez dit que dans tous vos reportages, vous n'étiez jamais seul. Vous étiez toujours avec quelqu'un pour vous, pour vous introduire, je suppose, pour, pour faire vos reportages. Je voulais savoir si vous étiez arrivé de photographier des, des, des gens et de vous sentir mal à l'aise euh, de, de les prendre en photo, en fait, comme de leur voler quelque chose. Je... Écoute, les appareils photos, ça dépend de l'époque. J'ai photographié au début, j'ai commencé avec un Pentax, j'ai passé au Nikon, et quand j'ai pu, tu vois, j'ai passé au Leica parce que c'était vraiment ce qu'il y avait de meilleur en 35 mm à l'époque et des appareils hyper solides, des optiques incroyables. J'ai travaillé avec Leica la grande majorité de ma vie. Quand j'ai commencé à photographier le projet Genesis, j'ai travaillé avec euh, des moyens formats Pentax à nouveau, j'ai revenu vers les Pentax parce que c'était des appareils japonais qui avaient des optiques qui ressemblaient énormément aux optiques allemandes tu vois, il avait une très 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 bonne qualité optique et très très peu de contraste, ce qui permettait voir des gris très beaux en noir et blanc parce que noir et blanc, il faut qu'on ait des gammes de gris. si on n'a pas des gammes de gris, ça devient très compliqué en noir et blanc et ces appareils me et quand j'ai passé au digital, j'ai passé au canon, je travaille au canon les canons les plus puissants qu'il y en a, parce que j'ai photographie seulement en haut. Et, et donc, euh, qui, ça me permet d'avoir une qualité maximale. Ça me prend beaucoup de mémoire de mes cartes, mais, mais ça me donne vraiment une qualité incroyable. Je ne travaille pas, comme je dis, avec des ordinateurs, avec des disques durs. Quand je pars un reportage, même si je pars trois mois dans un coin, j'amène des cartes suffisantes pour faire tout. Tu vois, je ne décharge pas, j'amène tout pour décharger à Paris après. Et donc, euh, ce qui me permet d'avoir une énorme économie de batterie. Pour, Alain a dit que j'ai fait une histoire au nord de l'Éthiopie. J'ai fait une marche à pied au nord de l'Éthiopie. On fait une marche de 850 km dans les montagnes d'Éthiopie pendant 55 jours. À pied parce qu'il n'y avait pas de route. Et donc, euh, j'ai dû amener des panneaux solaires de tout pour recharger mes batteries. Et avec les panneaux solaires, je me démerdais énormément à tout ce que j'avais besoin. Et donc, amenant le minimum des choses électriques qui ont prouvé. Et, et donc, c'est ça. Je n'ai jamais photographié quelque chose qui me donnait un disconfort de photographier. Je trouve qu'il faut photographier, il faut avoir un énorme confort. Et il faut que tu sois bien dans ta peau. Même si tu photographies des choses terribles que tu es en train de pleurer, en train de photographier. Mais il faut que tu aies une raison de le photographier, que tu sois convaincu de toi-même éthiquement que ta photo, elle a un sens. Il faut la faire, tu vois. Ou quelquefois, j'ai fait un rien avec un énorme plaisir, mais toutes les photos que j'ai faites, j'étais 100% convaincu qu'il fallait les faire, tu vois. Jamais, j'ai eu dans beaucoup de situations que je n'ai pas fait la photo parce que je, trouve, je trouvais que je n'allais pas eh, rendre eh, je sais que la personne qui était en train de me donner la photo en face de moi, rende ce elle sait qu'elle voulait que j'ai rende la photo. Tu vois? Et donc, euh, tant que dans toute ma vie, j'ai 40 ans de photos, je n'ai jamais eu un procès, je n'ai jamais eu rien qui se tourne contre moi, parce que j'ai une autorisation de tout le monde que j'ai photographié. Tu vois? Pas une autorisation écrite, mais une autorisation tacite, tu vois? en étant en face de la personne tu vois, quelquefois en m'expliquant, quelquefois en passant longtemps avec la communauté, quelquefois en venant avec des institutions qui m'ont introduit et qui m'ont expliqué mon travail, que je puis le faire, mais je n'ai jamais eu ce problème de, dans ma conscience d'avoir fait une chose qui, que je n'étais pas confortable de le faire. Non, je pense que ça ira. Non, 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 non monsieur, ça Merci. Monsieur, monsieur, vous plaît, monsieur. Ah, ça, c'est un, un, un livre qu'on a fait avec l'Organisation Mondiale de la Santé, l'UNICEF, sur la fin de la poliomélite. C'est une lutte phénoménale, la polio. Vous savez, où des gens de mon génération eh, ont connu la polio. On a connu une, énormément de gens handicapés par la polio. Et donc, l'UNICEF m'a nommé ambassadeur de bonne volonté et avant que j'en fasse ce livre ils m'ont demandé de faire ce livre et je venais de finir eh, Exode avant de faire la, la eh, genesis on a pris la décision de faire ce livre et j'ai voyagé dans beaucoup de pays avec l'UNICEF cette image elle était faite en, 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 et, et, comment s'appelle les pays très violents au nord de l'Éthiopie la Somalie en Somalie tu vois, c'est au moment qu'on est en train de peindre des gouttes. La, 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 les vaccins de la polio, c'est très simple. Tu mets des gouttes la, sous la langue d'un gamin, il est vacciné. Tu vois Il sait que c'est fantastique. Et l'Inde, deux ou trois ans avant de commencer cette campagne, on avait une carte de l'Inde avec des points, des nombres de cas de poliomélite. Ils avaient plus de 300 000 personnes affectées avec la polio. Et on a commencé la campagne et après, quand on était en train de finir ce livre, il avait sept petits points sur la carte de l'homme. Que sept personnes qui avaient eu la polio à cette année en C'était une conquête tellement phénoménale, une histoire d'une réussite tellement énorme. Et je m'appelle que les principales financiers des, des gens qui ont financé cette campagne, c'était une institution pour laquelle j'avais aucun respect. Parce que je trouvais que c'était des beaux bourgeois qui ne m'intéressaient pas du tout. C'était des gens de Lions Club. Lions Club a trouvé plus d'un milliard de dollars en donation dans leurs petits clubs, un peu partout. Ils sont et avec UNICEF qui ont financé la fin de la polio. Quand j'ai fini ce livre, j'ai fini avec un respect. Énorme par cette institution parce qu'ils ont fait vraiment un grand travail, tu vois. Et là, j'ai parti dans plusieurs pays du monde en train de faire la polio, et, et, et ben voilà quoi. Bonsoir à tous. Euh, dans un premier temps, j'aimerais remercier un peu tout ça là, euh, au sens où euh, je suis très content d'être là. Euh, C'est peut-être stupide un peu comme ça, mais euh, vraiment ça me fait plaisir. Euh, D'autant plus que ça fait une heure que j'attends, le temps que... Vous... Enfin, bref, je suis très content. Euh, ma question, elle est, elle est simple en fait. J'aimerais savoir quelles sont vos méthodes pour aborder des personnes que vous ne connaissez pas, euh, dans, des, euh, dans des pays que vous ne connaissez pas non plus, enfin pas tout le temps. Euh, -ce qui, euh, comment vous arrivez à instaurer comme ça un, un, un rapport où, euh, où la personne se sent assez à l'aise pour se sentir photo, pour être photographiée voilà. Si vous pouviez développer là-dessus, merci. Écoute, ce n'est pas tous les gens qu'on peut photographier, ce n'est pas tous les moments qu'on peut photographier. Mais photographier, c'est comme marcher, tu vois, sur les, la lame d'un couteau. Tu vois, si tu es d'un côté, tu n'avances pas de l'autre non plus. Il ne faut pas te couper non plus en passant au milieu, tu vois. C'est vraiment... Il y a une ligne à passer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de photographes qui photographient les gens. Parce qu'il faut avoir un grand plaisir à photographier les gens. Il faut avoir le plaisir de découvrir ce moment qu'on peut photographier. Tu vois? Et, et quand tu arrives en face, je n'ai jamais fait une photo volée. Jamais. Tu vois? Mais j'arrive avec mon appareil, j'arrive en face. Et je sais si je peux photographier ou pas. Tu je m'appelle, j'étais avec un, un copain, c'était Philippe Châtenay. et Philippe, Philippe était journaliste à Antenne 2, au Portugal, en 1975. Et on a sorti dans la rue, Lisbonne. Et les gens étaient à la fenêtre. Il y avait beaucoup de monde dans une rue très mouvementée. J'allais en faisant des photos. Philippe derrière moi. Quand je regarde Philippe derrière moi, il était en train de s'excuser. Que j'avais fait la photo. Excusez mon ami, il vous avez pris la photo. Je dis, déconne pas, Philippe arrête. La personne avait autorisé, tu vois. Et, et donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de photographes qui photographient les gens. Il y a quelques uns qui ont photographié les gens, tu vois. Ici en France, on a idée. Fabuleux, comme Henri Cartier-Bresson, comme Doano, comme Willy Ronis, tu vois. Des photographes qui ont su approcher des gens. Gilles Rex, c'est un mec pour approcher les gens, tu vois. Et donc, mais il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Et, et donc, je crois qu'il y en a une manière de faire, il y a un plaisir à faire, et c'est un grand plaisir. Mais pour les gens qui ne se sentent pas bien, c'est une grande gêne, tu vois. Je vis beaucoup de photographes qui sont imposés à faire des photos des gens quand eh, peut-être qu'ils n'avaient pas cette petite... Eh, Comment ça s'appelle Cette petite inspiration, cette petite chose, tu vois, qu'on ne sait pas comment elle vient, mais elle vient. Elle est là-dedans et qui te permet d'y aller, tu vois, de le faire. Et certains endroits très difficiles, par exemple dans les camps des camps de fougers palestiniens ou au Liban, l'enfer à photographier, tu vois quelle fois tu as une autorisation, tu fais une photo, tu as décalage une confiance sur toi. Tu dis, Joseph, qu'est-ce que j'ai fait Tu vois, tu viens, tu pars, tu expliques, tu vas et tu passes des jours et des jours. Tu connais les gens, tu passes 5 six jours sans faire une photo, tu les fais et tu finis pour les faire, tu vois, pour passer, pour tourner dedans. Il faut comprendre, il y a des logiques, tu vois, il y a des systèmes. C'est la même chose que pour photographier. J'ai appris après pour photographier les animaux, les autres animaux, nous. Cet animal, c'est très facile parce que c'est toi-même. Mais photographier une tortue, photographier un, un gorille, tu vois, il faut, les, il faut essayer de les comprendre. Et si tu t'aimes, tu te comprends, tu vois. Il, il faut que tu aies une autorisation aussi pour le faire. Il faut que tu respectes l'espace, tu vois. Il faut que tu respectes sa dignité. Il, faut, il y a une manière, tu vois, à un moment, tu as vu quelques photos des, des, des crocodiles, là, des caïmans. Ces caïmans. À la fin, il se posait pour la photo. Tu vois Absolument, il posait pour la photo. Tu vois, il se rangeait, il venait, il se mettait, il soulevait la tête, un derrière l'autre et tout. Mais c'était le temps, tu vois. Pour arriver à photographier ces, ces, ces caïmans, il fallait arriver à genoux en face, des, à la même hauteur, coucher par terre comme eux, tu vois. Et être là, approcher, revenir, quand il avançait vers toi, revenir tout petit pied en arrière. Tu vois, aller un peu en avant et tout, avec 5 ces heures-là, tu arrives à les faire. Et tu vois, il y a vraiment un plaisir énorme. Tu... Ils, ils nous ont appris, tu vois, une énorme mensonge, en disant que nous, on est le seul être rationnel. Mensonge. Chaque espèce a la rationalité dans son espèce. Et si tu arrives à te mettre là-dedans pendant des heures et des heures, il commence à étudier, il voit, tu vois, tu te mets dans cette logique, dans cette rationalité, et tu es autorisé aussi, tu vois. Et donc, je crois que c'est ça, c'est le plaisir de la photo, tu vois, de pouvoir la faire, de, de, de trouver les formes, de trouver les lumières, de trouver la beauté dans tout ça, tu vois. On vit dans un planète d'une beauté énorme, tu vois. Et j'étais très critiqué dans mes photos pour faire la beauté de la misère. Mais est-ce que les pays où les gens sont pauvres, la lumière est plus laide que la nôtre d'ici. Ce n'est pas vrai. Est-ce que les gens sont plus laides Pas du tout. Est-ce qu'ils sont moins dignes que les gens d'ici Pas du tout. Ils sont aussi dignes. Tu vois? Ils sont en train de vivre des moments matériels très durs, mais sont des gens très riches en relations humaines, tu vois? en relations communautaires et tout. Je vis dans une situation terrible que les gens sont en train de mourir, des choses, mais mourir dans un groupe. L'autre jour, là où on a Amazonas, notre petite agence de production de photos, une dame a disparu. Tu vois Passé une semaine du jour, ils ont commencé à sentir des mauvaises odeurs, ils appellent les pompiers, ils cassent la porte, elle était morte depuis peut-être 15 jours, tout seul. Dans une misère totale. Tu vas avec un très beau petit appartement à Paris, tu vas en face du canal Saint-Martin, mais dans une misère totale. Tu vois, la misère, c'est pas matériel. Tu vois, la misère est humaine, et communautaire. Et donc... Quand tu vas dans ces sociétés, dans ces choses, tu vois, et, il faut respecter, tu vois. Il faut, il faut traiter d'une autre manière, tu vois. Et, et, et si tu as ce don, tu vois, de pouvoir photographier au moment qu'il t'est autorisé à photographier, tu photographies tout, il n'y a pas de problème. C'est peut-être fini, on nous avait demandé 9 heures. Quelle oui. une question je pense que c'est bien pour conclure. Quel est votre prochain projet Écoute, j'ai fait un travail, comme on a discuté tout à l'heure, qui s'appelait La main de l'homme. Et aujourd'hui, en regardant de loin, j'ai trouvé une, une certaine injustice. Parce que quand j'ai photographié La main de l'homme, tu vois, j'étais très marxiste, tu vois. Ce qui m'intéressait, c'était le travail productif. Et le travail productif, c'est le travail de prolo les prolétaires s'étaient employés, tu vois, des grandes productions, tu vois, des grands nombres. Et donc, j'ai sous-allé dans les grandes aciéries, tu vois, dans la construction navale, dans les voitures, dans les camions, dans l'agriculture, la mais l'agriculture en grande échelle, dans les mines et tout. Et après, tu vois, on analyse bien la grande, la plus grande majorité de la production planétaire, elle est faite avec des très, très, très petits producteurs, tu vois. C'est les mecs dans la boulangerie qui produisent les pains, tu vois, les mecs qui vendent dans les plages, tu vois, les glaces et les petits paysans. Et tu vois, comme ça. Depuis un certain temps, j'ai commencé à photographier la petite production de café dans le monde. Aujourd'hui, je suis en train de discuter avec Planète Finance, tu vois, c'est une institution et des, des gens de gauche en France qui travaillent avec les microcrédit, tu vois. Peut-être je ne suis pas certain encore, mais peut-être qu'on va faire quelques années de microcrédit. Tu vois, c'est des gens qui trouvent un petit financement, des rien de tout, et qui commencent une vie, une activité. Tu vois, des gens qui prêtent 200 euros, 300 euros, et qui pendant 2-3 ans les payent, et qui créent une activité économique et qui les font. Tu vois, il y a des histoires fabuleuses à faire. Incroyable. Je me rappelle travailler à Kaboul, par exemple. Tu vois, les boulangeries de Kaboul, c'est quelque chose de fantastique. Petite boulangerie dans la rue, tu vois, ça donne des images incroyables. J'ai un copain, tu vois, un prêtre qui m'a aidé énormément à faire des photos sur l'Amérique latine. Quand j'ai fait un livre, mon premier livre, le premier livre de Laila la aussi qu'elle a dessiné s'appelait Autres Amériques. Et J'ai voyagé dans les Indes avec ce prêtre qui était un jeune prêtre, moi jeune photographe, et on a voyagé dans toutes ces montagnes, tu vois, on a fait des images incroyables. Ce type a commencé un projet depuis quelques années, et il a ils prêtent un tout petit peu d'argent aux paysans, ils achètent, ils achètent un lama, tu vois. Et ils sont en train de réintroduire les lamas sur les Indes. Parce que les Indes, c'est très, très élevé. Les paysans qui sont très hauts, ils n'ont pas de route. La seule manière de faire le transport, c'est avec un lama. Les lamas, tu utilises tout, la viande, tu utilises d'après la peau, tu utilises tout d'un lama. Et donc, son projet, c'est d'introduire des millions de lamas. Pour le moment, il n'a introduit que 7000, tu vois. Et, mais il va faire les millions, je suis sûr. Et je voulais aller vivre avec eux, sur les montagnes à nouveau, tu vois, pour faire les petits producteurs, tu vois, avec son à là-dedans, et, et tourner toute cette planète. J'espère, tu vois, et comme ça, je peux faire la réparation, tu vois, d'avoir fait une option seulement d'un côté de travail. Maintenant, je peux compléter mon, mon, mon livre travailleur. Quand je fais Genesis, vous avez vu qu'il y a beaucoup de photos de nature. Mais ce n'est pas que je suis devenu un photographe des paysages, un photographe d'autres animaux. Tu vois, c'était une histoire. Je voulais faire cette histoire. Je l'ai fait pendant huit ans. Et maintenant, je vais faire d'autres histoires. Je crois que c'est ça la grande chose de la photographie. C'est la grande liberté qu'un photographe a. De photographier tout, tout ce que tu veux, tout ce qui vient de ta tête. Tu vois, l'important, c'est d'avoir une grande émotion dans toi, y a un grand plaisir de le faire, y a un grand confort de le faire. On, on va te remercier. Juste, euh, juste un mot. Euh, on parlait de, de l'artiste, de la création. Donc, on a parlé, bien sûr, de, de ton talent, de ta technique, de ton œil, puisqu'on parle de photographie, de l'approche de ton travail, de la façon dont tu travailles. C'était assez complet. Et on a compris tout au long de cette conférence et notamment sur la fin que, en plus de l'œil, en plus de ton talent et tout ça est lié, il y a un cœur. C'est-à-dire Quand tu réussis à approcher les, les gens, c'est parce que tu les aimes. Tu as, as vraiment un amour des gens et ça se sent dans tes photos et c'est sans doute pour cela que tu as aussi la, la facilité d'aller photographier des scènes qui, a priori, sont difficiles si on arrive juste avant et qu'on repart juste après. Donc pour nous, euh, journalistes, que ce soit à Paris-Match ou maintenant à Polka, on a un profond respect pour. pour toi, pour des photographes comme toi, pour des jeunes photographes qui, qui auront la, la même démarche et la même ambition que la tienne, parce que tu, vraiment, tu nous amènes, moi j'appelais ça quand j'étais à match parce qu'il y avait beaucoup de grosses productions, mais on continue de le faire aussi à Polka, tu, tu es, des, fais partie de la génération des chercheurs d'or, c'est-à-dire tu, tu pars et tu reviens avec des pépites, qui sont ces photos extraordinaires, on a pu le voir là pendant la, la projection. Donc un, un grand merci pour, pour nous tous. Je voudrais dire un mot. Un petit mot, c'est, euh, il y a 33 ans, on a eu un coup dans notre vie qui c'était une énorme chance à la fin, et qui s'est mené une grande aide dans la compréhension de beaucoup de choses. On a eu un enfant trisomique, tu vois. Il a maintenant 33 ans, 33 ans. Et au début, c'était très compliqué, très difficile. Personne n'est préparé pour avoir un handicapé, un handicapé eh, lourd dans sa dans maison. Mais tout ça t'amène tellement de choses. Il a apporté tellement de choses dans notre vie aussi que je suis sûr que Rodrigo a mené énormément dans ma vie des, des photographes, dans de ma manière de me relationner avec les gens, dans ma manière de pouvoir voir une quantité de sessions dans la vie. Jusqu'à cette époque, j'étais capable de passer dans la rue et de ne pas m'apercevoir la quantité de différences qu'il y en a. Et après Rodrigo, j'ai pu voir combien de handicaps différents qu'il y en a, combien de vies parallèles qu'il y en a. Et ça a mené beaucoup, 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 beaucoup dans notre vie. Je crois que ça, c'était quand même depuis 33 ans, 33 ans, un espèce d'adoucissant qui est rentré dans la vie.